le budget national sur un marché. Et ce que je dépense, je donne à la jeunesse, au peuple, au sport et à l'agriculture. Aujourd'hui, j'ai la plus grande chaîne de télévision africaine. Que vous le reconnaissez ou non. Aucune télévision africaine n'est au-dessus de ça. Même Ghana, il n'est pas au-dessus de la télévision 6 médias. Parce que le pivot se voit. Aucune télévision là. Et aujourd'hui, maintenant la compagnie est là, les sociétés sont là, on est là à faire de la délation. Je suis très remonté contre ça, mais celui qui l'a fait, j'ai porté plainte contre lui, je vais le pousser sur la justice internationale, même pas Guinée, parce que je connais où il est installé. C'est irrespectueux quand quelqu'un travaille comme ça et qui crée tant d'emplois et qui rapporte. Je pourrais faire comme les simples commerçants, comme mes chers frères. Je construis beaucoup d'immeubles. À la fin du mois, je viens prendre les locations et je les mets en poche US aussi, comme tout le monde. Mais tout ce que j'ai mis à la disposition de la jeunesse, de la plus des femmes, de notre population de la Guinée, parce que chacun doit porter. Je vous dis, moi, je ne suis pas un politicien, mais un homme, retenez-le. L'homme doit marquer son passage dans son pays par un acte. Et moi, j'ai choisi le sport et la culture. Et je le fais, et je le fais très bien. Les investissements-là, c'est pour l'éternité. Qui a construit dans l'Afrique de l'Ouest avec ses fonds propres un domaine de 11 hectares, rien que pour la formation des jeunes. Qui l'a fait? Même un gouvernement africain n'a pas fait. Donc, quand les gens investissent, il faut avoir du respect. Et peut-être que les gens pensent que vous êtes étrangers. Nous, on a grandi à Conakry ici. Quand il n'y avait même pas 50 voitures à Conakry. Quand Conakry s'arrêtait ici au palais de peuple, le palais de peuple n'était même pas là-bas. C'était le terrain rouge, ceux qui ne connaissent pas. Et quand on parle, il y a des gens ici, quand on parle de place de l'or, ils ne connaissent pas. Quand on parle de Rialto, des trucs, ils ne connaissent pas. On a grandi ici. À ce moment, il n'y avait même pas 50 voitures en Guinée, à Conakry. Donc, ne pensez pas que c'est quelqu'un qui est venu. Hein. C'est quelqu'un qui a roulé ses bosses ici. Et je suis sorti de l'université, polytechnique. Dans ma promotion comportait que 7 personnes. Ce n'est pas une classe de 50 personnes, mais 7 personnes. On a terminé à 6. Et j'ai fait mes formations sur les 5 continents, dans les plus gros du monde. Je suis très fier. J'ai été l'un des premiers Africains à être directeur commercial de Mazda. Et vous connaissez ce que c'est que Mazda. Donc, il faut qu'on arrête certaines choses. Et on était là pour vous dire, mes frères, que gros c'est gros. Quand j'ai créé toutes ces sociétés, il y a eu des attaques, des critiques, mais ce n'est pas grave. Mais que vous créez une compagnie, parce que le pays n'a pas de compagnie aujourd'hui. Quand nous allons pour jouer, tous ces pays-là viennent dans leur avion. Pourtant, c'est la Guinée qui avait donné l'exemple dans les années 70 ou 20. Le Sud National voyageait par la Guinée. Aujourd'hui, nous sommes en train de voyager par des compagnies avec toutes les souffrances au monde. Là que vous avez une compagnie qui peut vous prendre aujourd'hui, vous déposer à Kinshasa ou bien à Johannesburg ou quoi, en vol privé, et qu'on attend les simples autorisations, les spéculations commencent. L'argent, là, je pouvais l'asseoir, mais évidemment, pour ma famille, m'asseoir plus, vivre comme un passage. Quand même respecter les gens. Donc, nous sommes là pour ça. Moi, je ne serai pas long, je voulais laisser la parole à la direction civile techniquement qui m'a fait expliquer, mais je veux en franchir.